que Rochon tente d'amener les autres. On est à 7 secondes. On doit ralentir. Très mauvais départ. Même Marco a possiblement. Martin Rochon a amené tout le monde avec lui. Et là, c'est de savoir qui a devancé le départ. Pour l'instant, c'est Ghislain Marco avec le El Diablo. Quelle déception ce serait s'il s'est fait amener pour devancer le départ. On est en train de regarder qui était légal ou non, mais pour l'instant, c'est le El Diablo. Alors que Rochon et Eno se battent pour la troisième place. Eno là, il a fait le bruit et s'en allait aller à l'intérieur du parcours. Et là, c'est Marc Lecomte qui est deuxième. Eno troisième, Rochon là qui se fait doubler par François Campeau. Yannick Léger, suivi de Jean-Pierre Morin qui semble avoir de la difficulté, on voit. La fumée, quoi, qui se dégage du batteur. Est-ce qu'il a été pris dans le premier virage? Alors, trois pilotes ont devancé le départ. Martin Rochon, le 73. Ghislain Marco, le 666. Et le 2 avec Richard Reynaud, le menace, le Marc Lecomte dans le Willys Pub. Et François Campeau serait deuxième actuellement avec Canadian Tire. Oh, quel dénouement. Ghislain Marco qui a pêché à devancer le départ, semblait avoir la machine supérieure. Alors que Morin, lui, a toutes sortes de difficultés. Et pour l'instant, ce serait le Willys Pub. Et Eno, lui aussi, qui est derrière lui, a devancé le départ. Ainsi que Rochon. Donc, on aurait Campeau deuxième et Yannick Léger serait troisième, suivi de Morin et du Joker. Alors, c'est Marc Lecomte qui serait notre meneur provisoire, puisque Ghislain Marco a devancé le départ. Alors Jean-Pierre Morin qui poursuit quand même et semble avoir de sérieux dommages au moteur. Pour lui, c'est une question d'essayer de chercher des points pour la course au championnat. Alors Marco, lui, là, il est pourchassé par Lecomte, mais probablement qu'il le sait, qu'il a devancé le départ. Dommage pour Richard Reynaud. Se battrait pour la première place. Il n'avait pas été trop anxieux lors du départ. Campeau, lui, serait deuxième avec l'équipe Canadian Tire. On est au dernier tour. Et là, le Joker qui est devant Yannick Léger. Alors, un tour de retard pour le Joker. Donc, Yannick Léger serait actuellement en troisième place. Et là, Richard Reynaud, lui, aux trousses là, des meneurs, mais possiblement qu'il ne sait pas qu'il a devancé le départ. Là, on présente le drapeau quadrillé. Ça, c'est pas votre vainqueur. C'est le Willys Pub, Marc Lecomte, H104. Deuxième, on a François Campeau, qui a son quart de siècle de pilotage. Il va fêter ça avec une deuxième place ici à Beauharnois. Yannick Léger complète le podium avec le H79. On aura Jean-Pierre Morin, lui, semble vouloir compléter ses tours. Ça lui donnerait une quatrième place et des points précieux. Lui qui est deuxième au classement. D'ailleurs, il va avoir plus de points que Marco dans cette course. Donc, ça va garder cette course en vie là, jusqu'à la dernière fin de semaine qui sera le week-end prochain à Webster, au Massachusetts. Alors, une quatrième pour Jean-Pierre Morin. Suivi de Martin Rochon, qui c'est un peu lui qui a tout causé. Là, s'est amené beaucoup trop tôt.